Oui, les chiffres de midi. Grave, vous êtes pas trois, hein. Monsieur Sow, vas-y, consul Sénégal, à moi de la journée. Donc, Monsieur Sow, vous êtes responsable de ce centre de vote et on voit que le déroulement et l'organisation est vraiment, on dirait, impeccable. Quelle impression pouvez-vous nous donner là-dessus et sur le déroulement dans l'ordre de toute cette journée? Je vous remercie beaucoup et je remercie l'ensemble des Sénégalais parce que tout le monde y a participé. Aussi bien, et l'ensemble des partis également, parce qu'on a discuté en amont, donc ils savent qu'on est là pour le Sénégal. Et chacun a intérêt à ce que ça se déroule très bien. Pour l'instant, les bureaux ont ouvert à l'heure et tout le monde est présent, et donc ça se passe bien, comme vous l'avez vu. Et donc, on sait qu'on est en période de vacances, mais ceux qui viennent votent tranquillement et ressortent. Et tous ceux qui circulent ici, ils doivent avoir des badges. S'ils n'ont pas de badges, ils ne doivent pas circuler. Ce sont les règles de sécurité. La personne vient voter. Et moi je suis là pour gérer des problèmes. S'il y a des problèmes, vous pouvez remonter à mon endroit et j'essaie de les régler. Et je pense que comme cela, on pourra continuer à faire un bon scrutin et ça sera pour le mieux pour l'ensemble du Sénégal. D'accord. Là, on est en milieu de journée et l'affluence, on voit qu'il y a, bon, ou alors c'est très fluide, ou bien peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de votants, en tout cas présents. Alors, ou peut-être c'est dans la journée que ça va se dérouler. Oui. Les gens viennent d'habitude plus l'après-midi que le matin. Mais aussi, il y a les deux combinés. Premièrement, on est en période de vacances. On sait qu'en Europe, au 31 juillet, les gens sont en vacances. Donc, on le sait. Mais ceux qui viennent, donc il y a une bonne organisation qui fait que c'est fluide. Les gens votent et repartent. C'est extrêmement important. Donc, ils sont liés à l'entrée. On leur demande leur bureau. Et donc, on sait qu'ici, il y a 10 bureaux de vote. Donc, les 5 sont au rez-de-chaussée. Les 5 autres sont au premier étage. Et donc, ils vont venir, ils votent, ils rentrent. Vous avez vu vous-même en rentrant ici. Si vous n'avez pas de badge, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, c'est la sécurité avant tout. Et ensuite, ça se déroule très bien. Et je remercie également l'ensemble des plénipotentiaires des partis. Parce qu'ils y ont contribué. Donc, ils ont des salles dédiées. Je leur ai donné chaque parti, les coalitions, le parti au pouvoir et l'opposition, ils ont des salles distinctes pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Ce qui fait que toute personne qui appartient à ces partis-là doit être dedans. Et donc, qu'ils soient dans ce type, doit avoir un vote. Donc, ça se déroule bien. Pour le moment, il n'y a pas eu d'incident, en tout cas d'irrégularité. Donc, est-ce que là aussi, c'est parce que c'est très bien organisé que ça n'a pas lieu? Voilà, on croise les doigts tant que le scrutin n'est pas encore fini. Donc, on espère, mais pour l'instant, ça se passe bien. Et donc, je leur ai dit que s'il y a un problème, quoi que ce soit, il peut y avoir des petits incidents. Et dans ce cas-là, ils viennent nous voir, les plénipotentiaires viennent nous voir. On trouve une solution et on avance. C'est en dialoguant qu'on pourrait avoir toute cette quiétude pour avancer. Et là aussi, il n'y a que le droit qui prime. Je dis que moi, je suis là pour le Sénégal, c'est le droit qui prime. Et donc, on a des textes, on applique les textes et puis tout le monde est content et on avance. Merci M. Sow, donc en espérant que tout se déroulera dans la bonne ambiance jusqu'à la fin de la journée et éventuellement lors des... C'est moi qui vous remercie pour la transparence et pour aussi vraiment la médiatisation, c'est extrêmement important que le Sénégal sache que demain c'est le Sénégal qui gagne, quel que soit le vainqueur. Un petit mot pour ADI TV, la télé de la diaspora. Bah, je vous remercie beaucoup parce que aussi je vois qu'il y a une couverture médiatique pour que les gens aussi, parce que la diaspora est toujours une fer de lance. Parce qu'on voit bien que le vote de la diaspora est suivi
au Sénégal. Et ici, à la fin du scrutin, on verra aussi que le résultat ici est suivi au Sénégal. Parce qu'ici, on sait bien que ce sera un scrutin qui est sans équivoque. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, je remercie la télévision pour pouvoir médiatiser tout cela. Et puis, je vous dis bonne continuation. Merci beaucoup, Biran. C'est Alioune Sall, coordonnateur tête de liste de la coalition Yewi Askanbi. Tay ñu ngi ñëw fi Paris pour le jour J pour voter. Déjà ñu ngi remercier les Sénégalais d'être sortis massivement voter. Ñi ngi wo aussi ñi nga xamné ñi ngi nek seen cœur xawma ban heure de bande bi jall. Mais il faut savoir que la plupart des bureaux de vote ici à Paris sont vides. Donc les gens ñëw voter. Vote bi nak malheureusement on a constaté depuis qu'on est là des irrégularités. Man dama waron ñëw voter ñi bi. Mais depuis que je suis là, je ne fais que régler des problèmes. Parce que la DCNA, avec la complicité du consulat, ils ont fait exprès de prendre. Il y a 57 bureaux de vote à Paris. Sur les 57, les 55 sont vides. Il y a 55 bureaux de vote qui sont vides. Et comme par hasard, tous les primo-votants sont concentrés sur deux bureaux de vote, à savoir le bureau 57 et le bureau 58. Et ça, c'est inadmissible. Donc, tu vois, il n'est que là, il y a une que de l'autre côté, où il y a plus de 100 personnes, des personnes âgées, des personnes malades. On a même vu des personnes faire un malaise. Et ça, c'est inadmissible pour des gens qui organisent des votes depuis la nuit des temps. C'est pas concevable. Donc, on dit à la DCNA et au consulat, tant que les personnes qui ont fait les déplacements, ils voteront, il faut qu'on leur donne la possibilité de voter avant de fermer les bureaux de vote. Donc, là, à mon Doumaï Koko, dit Wawat Sénégalais, avec une excellente cœur, l'union voter. Parce que le bureau de vote, on aura la possibilité à tout à chacun, nous qui avons des fichiers, nous voter Inch'Allah avant la fermeture du bureau de vote. C'est ouvert jusqu'à quelle heure? C'est censé être ouvert jusqu'à 18h normalement. Mais vu ces anomalies qui sont sur la responsabilité de la DCNA et du consulat, tant que les personnes qui se déplaceront auront la possibilité de voter. Et ça, on ne négocie pas. Merci. Comme une porte de la Villette, c'est une vote quoi. Mais nous avons sécurisé en travail. Comme je suis venu, 20 avenues de la porte de la Villette. Ils ont voté. Ils ont voté le consulat. Ils ont voté le vote. 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 La sécurité est en train de se faire. Ils ont voté le vote. Ils ont voté le vote. Ils ont voté le vote. C'est à côté juste. Ils ont voté le consulat. Ya mini ni personnel vote na ba para man rangayani ne daangi ne bureau de vote yaangi ni numéro 37 bureau de vote numéro 1937 man fi la nekkone numéro 20 sa vote na ba para maangi ni passé na ñub voilà ça va man mom yaguma fi sama bureau de vote bari wul rang quoi dama ñow rek def li ma wara def dem. Il y a un bureau de vote qui a un rang qui a un bureau de vote. Voilà, c'est ça. C'est bien. Garde la gueule, mais il y a un bureau de vote qui a un bureau de vote. Il y a un bureau de vote qui a un bureau de vote.